Yo les potes, la forme ou quoi? Actuellement, on est sur YouTube, on est en live. On va invoquer sur le portail de l'Arc-Enfant et le portail sert garanti. On a un peu farm le tournoi, on a fini dans les 70 millièmes. Je trahirai pas trop la Jap au niveau du tournoi, mais on a eu assez pour faire des petites invocations sur le portail de l'Arc-Enfant et deux invocations sur le portail CSR garanti. On se retrouve tout de suite pour les invocations. Du coup, on va commencer par les invocations de l'Arc-Enfant. Franchement, j'attends rien. J'attends rien de ce portail. Hein. Toutes les unités qu'il y a dessus, je m'en fous. Il n'y a pas d'unité pute. Ah si, il y a le Goku, mais il a pas eu son Dokkan encore. On va commencer avec un petit R. Alors, Roi Chapa, le truc le plus claqué. Inutile. Il scelle pas l'aspect, il fait rien du tout. Surtout les invoquer CSR garantie là qu'on veut. Tac. Attendez deux, on va mettre ça là, ça ici. Mettre ça là comme ça. Capitaine Black qui sert vraiment à rien ce perso. Inch'Allah, t'as une bonne carte. Merci gros, mais bon. Je préfère avoir une carte sur le SSR garanti. Ça me sert à rien sur le portail de l'Arc-Enfant. Sur le SSR garanti, tu visques des persos puits. Des bons persos puits. Parce que j'ai aucun perso puits. Super Saiyan 1. Même pas le 2. Oh, elle est pas mal la Bulma, mais pourquoi pas. La Bulma, je veux bien. Parce que je manque de persos puits. J'ai le Goku SSJ4 et le Goku SSJ3, mais j'ai. J'ai pas d'autres persos, du coup je pourrais mettre la Bulma là. Au moins elle donnera du ki. Faut marabouter. Et la petite Bulma qui scelle l'aspect, pourquoi pas. Yo, il est opaque. Ça quoi? Bon, comme je l'avais prédit, on va avoir de la demeure sur le portail. L'Arc-Enfant, il y a qui comme perso qui bloque l'aspect? Il y a le vampire R, le petit vampire R, il y a Puy, il y a la Bulma Tech aussi. SR, celle-là que je viens d'avoir, là, la lapine. Et il y a le Moutaito, non, ouais, le Moutaito pour le type Tech et le Murasaki pour le type AG, le ninja. Yo Son Goku. Il se transforme même pas 4 capsules pour un R. Oh là là, le rechappe pas. Le tout puissant il bloque quoi? Il fait rien du tout, il augmente de 15% l'attaque et la défense je crois des alliés. Quand il est sorti, ça allait, mais bon, maintenant ça sert plus à rien. Enfin, même quand il est sorti, il était pas terrible. Allez, un petit SR. Et ouais, je dis pas non au. En fait, si, il y a un perso que je veux dessus. Je dis pas non au vampire qui bloque l'aspect, le R. Il est puits en plus. Il pourrait bien me servir. Après l'extrême, je crois, c'est ça qui est relou. Je crois l'extrême, et du coup, dans une team double Goku et SSJ4. Après, si t'as Boutenk, si te sert à rien, mais Boutenk, je l'ai même pas. Bon, on n'a pas grand chose pour l'instant. Hein. Il se transforme même pas en SSJ2, il reste en SSJ1. Ah la lunch, vas-y pourquoi pas. C'est le premier tournoi que je fais sur ce compte. Hein. Du coup tous les persos qu'il y a là, je les ai pas. Yo Abdallah.
Ah tiens, devine-moi. Pour la collègue, vas-y, je prends. Encore deux avos et on passe sur le SSR garanti. Cinq capsules. Pas de Rainbow. Ouais bon, ça va être un petit SR je pense. Yamcha. Pas terrible tout ça hein. Allez, la dernière. Devilman il peut faire du... Ouais je sais, Devilman il peut one shot quelqu'un mais ça a 1% de chance après. Il y a déjà une faisait à l'époque contre Broly quand il y a personne qui arrivait à battre Broly. Enfin tout le monde galérait plutôt. Il y a déjà, ils arrêtaient pas d'essayer avec Devilman pour avoir ses médailles. Oh tiens, un petit Goku Ezawaji. Nice. C'est pas mal ça. Cherchez pas forcément à avoir des sur sur le portail mais ok je prends. Il est pas mal du tout. Surtout pour la collecte en fait. Bon, on va passer au petit SSR garanti là. J'espère que je vais avoir au moins un perso puits. Même si c'est le Goku GT en fait, je le prends. Le Goku GT il est pas mal quand il est éveillé. Il est pas dégueu. Allez, un petit perso puits, lâche-moi un petit perso puits. Oh. Je suis bête. C'est normal qu'il y ait un Super Saiyan 3, c'est SSR garanti. Oh non. Oh non, j'ai déjà une team. J'ai une team. Il est bien, mais j'ai une team N qui est full là. Ça, il me sert à rien, clairement. Il me sert clairement à rien. Je prédis un SSR. Oh, il pousse lui. Oh, il pousse. Ça c'est marrant parce que j'aurais préféré avoir un SSR du détecteur là. Attends, on va voir, il y a qui comme perso puits que j'aurais pu avoir sur le détecteur. Il y a lui, je l'aurais pris. Ah ouais, en plus ça ce Goku là. Putain, j'aurais bien aimé l'avoir. Bon, le Gohan il est pas terrible par contre. Ouais, bon, c'était pas fameux. Voilà pour cette petite vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Ciao.